Oh! J'ai relâché le mauvais! Non, j'ai relâché le mauvais! Non, pas moi, pas maintenant. C'est n'importe quoi. Mais non, j'ai relâché le mauvais! Il est entièrement scarfé. Il attaque avant tout le monde, du coup c'est séisme, fois infini. Oh, et puis critique! Mais non, bah là c'est dégueulasse. Moi, je suis réveillé instantanément! Mais c'est réveillé tout de suite, mais. Mais non! Je crois que tu m'as envoyé Fatal Foudre. Et 100% de précision sur Fatal Foudre, hein! Et il y a un moment, faut arrêter, hein! Ouais, reparalysé, Tico! Mais t'es sérieux? Romsec? Mais tu les fais cuire au Fatal Foudre! Mec, un Fatal Foudre Hydro-Pump! Mais quel Pokémon de merde, sans déconner! Oh la putain, je l'ai raté, non, c'est bon, 25. 29! Ah! 50, je sais pas combien, il est pas shiny! Ça marche pas! Il est pas génie. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est pas shiny. Merci à tous d'être avec nous en ce mercredi, du vendredi, du samedi, de la fin de semaine. Il est 15h et jusqu'à 19h, ça va mal parler. Ça va très très mal parler. Car oui, en effet, vous le savez peut-être, mais j'ai été la victime de plusieurs attaques. Des attaques personnelles envers ma personne. Des attaques que je ne peux pas laisser impunies. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ce chat d'Il est pas shiny. Et je suis en ma possession du moyen de pression. En effet, Charretman vient d'arriver avec en sa possession l'amiibo Villagouac. L'amiibo du villageois restylisé aux couleurs du guac avec un caca sur la tête. L'amiibo de Monsieur Karaté. Un magnifique amiibo. Encore tout frais, tout neuf dans sa boîte. Il a été produit par Nintendo, on le voit bien. C'est un officiel, hein. Officiel villageois custom, une des couleurs du villageois spécial. Et évidemment, cet amiibo, eh bien, c'est l'amiibo chéri, probablement tant attendu par Monsieur Karaté. Il ne me viendrait même pas à l'idée de lui faire du mal. Cela dit, Oumbi, comme on l'appelle dans les milieux autorisés, Oumbi a été quelque peu dissident ces derniers jours, prenant en otage l'amiibo Ken Bogard, lui cassant un œil, puis menaçant de le décapiter, faisant voter les gens à coups de propagande dite assez sale, il faut quand même l'avouer. Je ne sais pas si il mérite mon attention. En plus, eh bien, il y a plusieurs choses dont on va parler dans ce Il est pas shiny, mais le fait que Demi-Molle ait disparu et ne soit jamais réapparu est un problème, car en effet, j'ai eu vent de choses dramatiques au cours de cette semaine. Certaines personnes auraient chassé Demi-Molle pour l'assassiner et en faire un exemple à la nation.
chose qui est absolument intolérable. On parlera des assassinats de Shiny dans ce live, on parlera aussi, probablement vous en avez gros sur la patate, des derniers épisodes de Dragon Super. On ne chassera pas demi-molle car je n'ai que trop chassé demi-molle, ou alors pour donner une chance de l'attraper je ferai quelques resets hors stream. On va se concentrer sur Scarabutre aujourd'hui, mais il y a des choses dont il faut parler. On va parler évidemment du let's play d'hier qui a duré 15 heures sur Metroid Prime, un très grand jeu. On parlera de l'abonnement premium de Gamekult, puisque je suis abonné à Gamekult Premium, je vous en dirai ce que j'en pense, ça fait aussi partie des fils rouges. Karaté essaiera tant bien que mal de sauver son amiibo, mais mais en attendant, il est pas chani, c'est avant tout de la chasse. Voilà. Il fait quoi du amiibo? Je suis un suceur de gros porc. Un suceur de gros porc, j'avoue. Voilà, évidemment, le Stropole officiel pour savoir quoi faire de l'amiibo, hein. Puisque il veut jouer au plus con, on peut jouer nous aussi au plus con, moi, il n'y a aucun problème. Je vais mettre une petite OST en fond qui baisera totalement la VOD, mais pour ce qu'on en a à branler de la VOD. Et on va chasser Scarabrut comme c'était prévu à la base. Il y a une semaine de cela. Quand même inadmissible qu'on se soit retourné ici. Évidemment, le chat, je salue le chat. Je vais te juger, Viteur. T'as pas RT, salaud, bâtard, culé. Et le hashtag des pas shiny, n'oubliez pas bien entendu, le hashtag des pas shiny est là. Tous vos shiny capturés durant l'émission, faites la course. Si vous aussi vous voulez attraper demi-molle, faites la course pour ça. Et on parlera du tournoi des pas shiny, qui aura la date de révéler durant sa télé Pachani. Date, mais aussi règles, puisque j'ai tous les clés en main. On parlera de la Kakuto, bien entendu, on parlera de plein de trucs. Mais surtout, ce scandale. Ce scandale de la demi-molle. Je pense pas que Masuda ne me donne assez de pouvoir pour pouvoir attraper ce Scarabrut. Donc oui, donc j'ai pas pu le dire du coup la semaine prochaine. Je sais même pas si c'était la semaine dernière. Non, la semaine dernière j'ai fait les pas shiny quand même la semaine dernière. Je me souviens plus, je suis dans un vortex de merdier. Il y a eu un il est pas shiny la semaine dernière. Non, vacances la semaine dernière. Ah bah oui, vacances. Donc ça fait, même dans les vacances, j'ai chassé et j'ai jamais trouvé le machin. Insupportable. Juste insupportable. Absolument insupportable. Alors attendez, parce que il y a visiblement des trolls sur ce chat, hein, qui sont visiblement assez dissidents. Pouf. Voilà, j'ai Taimout un Tico. J'ai El Tico qui est bien propagé la mauvaise parole sur ce chat. Et j'ai dû donc sévir, voilà, donc ça commence bien. Ban de Tico, d'entrée de jeu, frame 1, dans ce les pas shiny. Et ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé, car je suis un dingue, ça y est, moi je suis lancé. Plus rien ne m'arrête. Le premier qui joue le dingue, le premier qui joue le malin, il me donne son carnet et il va en colle. Voilà, Tico qui aura évidemment rien à voir dans les prochaines... dans les prochains ébats. Des tournois des Pachani, puisque suite à son acte absolument intolérable dans son émission de chiasse, là, Tico m'a tué sur une chaîne obscure d'une web TV à la con. Tico a trouvé demi-molle, et plutôt que de le rapporter à son propriétaire, ce dernier a mis fin à sa vie. Acte inadmissible que même en 2003. On ne voit pas, et là contrairement à un Ken Bogard avec tous les pouvoirs, Tico ne peut pas re-raise pour se déban. Il va être obligé de subir ce ban jusqu'à la fin de l'émission, et c'est bien fait. Faut quand même savoir que même même si Pokémon XY est un jeu récent, il faut respecter les Shiny. Et ce Shiny assassiné en public dont il s'est vanté,
C'est comme de se vanter d'avoir montré son zizi à tous les passants. Ça ne veut rien dire. Ou de se vanter d'avoir cassé l'amiibo Ken Bogard. C'est quelque chose qui est intolérable. N'oublie pas, 2003. Il est de 2003 le jeu. On parlera évidemment du 2003 Gate, hein, puisque visiblement j'ai joué à des jeux de 2003 et c'est très important. 2003, une année où il s'est passé environ rien. Hein, il s'est rien passé en 2003, non? Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Il y a eu des faits marquants en 2003? Non! Aura éclosion, bordel. Aura éclosion, chiotte. Ah, je vais utiliser mon stylet. Voilà, donc je vais éclore les scarabouts, hein, moi, pendant ce temps. Allez-y, hein, discutez. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu en 2003? Il n'y a rien eu en 2003. 2003 RIP. 2003, on te dit. La canicule. Canicule, hein, se souvient de la canicule. Que faisait le gros porc en 2003? Donc on peut se rappeler, hein, en 2003, le gros porc était encore étudiant. Il écrivait son rapport de stage, hein, un rapport de stage que le monde entier lui envie. Et oui, c'était en 2003. Le Sarkocho en 2003. Les pires instants de notre époque. Ah, 2003, Jacques Chirac, incroyable. Les jeux qui ont marqué l'année 2003. Visiblement, Metroid Prime est un jeu de 2003, je l'ai appris hier. Et ça me fait une belle jambe. C'est quoi le vrai jeu qui a été 2003? Mais je sais pas, j'étais en train de raconter tout l'amour que j'avais pour Metroid Prime hier sur ma chaîne perso. Et je sais même plus quel est son nom. Il y a un mec qui a moutonisé dans le chat avec un copier-coller assez violent. Mais arrête, tu dois être tolérant, c'est un jeu de 2003, Metroid Prime, c'est un jeu de 2003. Je sais pas pourquoi il arrêtait pas de spammer que Metroid Prime est un jeu de 2003 alors que je vois pas le rapport entre la qualité d'un jeu et sa date de sortie. Mais visiblement ça... Ah, la Star Academy 2003. Les vrais savent. Visiblement, ça avait l'air d'être super important. Et salut, d'accord. Peut-être est-il sur ce chat. Oui, cette OST est tellement bien. Punaise, mais demi-molle. J'y crois pas. Tico qui fanfaronne. Il fanfaronne, mais regardez, alors ça, voilà, regardez. Regardez ça, alors ça. Oh. Ah, voilà, il a supprimé son tweet, Tico. Il l'a supprimé en instant. Putain, j'aurais dû cliquer sur le tweet, j'aurais pu le screen région. Chier, j'ai raté une occasion là. Il me laissera pas beaucoup d'ouverture. Il faut que je sois ferme. Ah, mais c'est le retour de Tulukusu. L'homme de la configuration PC. Hein. L'homme qui a réussi à me faire une configuration PC violente. Hein. Je vais pouvoir repartir chez moi avec un vrai PC gamer. Peut-être que Pentaru va s'en mêler. Donc, très bien, Metroid. Merci. Hein. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voyez, voilà quelqu'un qui reconnaît le talent du streamer. Trunks, il arrive. La première chose qu'il dit, c'est que j'ai très bien joué à Metroid Prime. Voilà, tous ces mecs-là, les singes de 2003, qui pensent que tout est garanti, qu'il n'y a rien à faire. Que tu poses les mains sur un jeu et tu dois être le dieu tout puissant. C'est triste quand même. Eh oui, tout ça pour demi-molle. La tristesse de l'abandon de demi-molle. En 2003, t'avais quoi comme PC, toi? Ouais, j'avais une GameCube. Du coup, voilà, 2003, mec. C'est un jeu de 2003, on te dit. Donc on est d'accord, on peut prendre le débat ici. Si Pentaro s'en mêle, tu vas payer 2 millions. Ah, la config PC de Trunks, partant de rien, elle vaut 1200 balles hein, quand même. Hein. C'est... ça fait mal hein, quand même un peu. Hein. 1200 balles. Tico est de retour. Il est re-time out pendant 10 minutes. Il ne pourra pas s'exprimer, je pense, Tico. De tout le chat. C'est dommage, hein, je l'aimais bien en tant qu'orga des tournois et des Pachani. Il était bon, il faisait plutôt du bon travail. Malheureusement, il m'a trahi. Et moi, vous savez, moi je fonctionne, c'est la famille. Hein. Tu trahis la famille, c'est mort. Tout simplement mort.
Vous aviez des PC en 2003, je crois que j'avais encore un PC en 2003. Je sais même pas ce que j'avais comme PC en 2003, pour vous dire la vérité. En 2003, j'étais encore bled. Donc t'avais pas de PC. Oh là oui, faut qu'on parle du sujet du... Faut qu'on parle des sujets terribles, des propos qui sont tenus dans les Pachani et dans les émissions de Gaming Live qui sont insoutenables, intolérables. Le chat va se lever, à mon avis, s'insurger. Oh, il y a trop de trucs, faut qu'on parle dans les Pachani aujourd'hui. Hein. On va faire... on va tous s'allonger. On va tous s'allonger et on va discuter. Vol du dernier Concorde 2003. C'est vraiment pas une année marquante. Hein. Y a pas un truc à part la canicule... À part la pluie et le beau temps et le dernier vol du Concorde qui a marqué les esprits. Je pense que la sortie de Metroid Prime a été, à mon avis, une des plus grosses annonces. Hein. Des plus grosses annonces de 2003. Hein. Je comprends pourquoi il s'excitait autant. C'est fou. Hein. Ah, mais j'ai pas la clé. Il me refaut la clé. Ah, si, c'est bon, j'ai la clé. C'est bon. Impeccable, ça va passer. Allez, move! Il est tellement pas mauve. Ah, Skyrim. Il n'en faut pas beaucoup quand même. J'ai l'impression qu'il y a certains jeux, dès que tu titilles un peu les gens sur certains jeux, directement ils le prennent mal, tu vois. Ça leur tient à cœur. On peut pas pointer les défauts d'un jeu. Certaines fois, c'est pas possible. Tu vois, moi tu pointes les défauts de Street Fighter 4. Je te dis rien, même moi je les mets en avant les défauts de Street Fighter 4. Je vais pas chier une durite. Un de mes jeux de la vie, là, Donkey Kong, tu pointes ses défauts, tu dis que les hitbox sont à la pisse, que des fois tu vois pas le perso, que finalement la digitalisation c'est moche. Je te dis d'accord, très bien, parfait. Mais y en a, ils le vivent mal. Et du coup, c'est facile de se nourrir du guac d'un chat quand même, partant de là. Très facile. Comme Okami. Ah mais Okami, ça c'est différent. Ça c'est les jeux que tout le monde kiffe mais que personne n'y joue. Comme les persos dans les jeux de combat. Les persos que tout le monde kiffe mais que personne n'y joue. C'est le syndrome, j'appelle ça le syndrome Ermika moi. Tout le monde veut Ermika tout le temps. Et personne joue Ermika. J'ai jamais vu un seul joueur de Ermika de toute ma life, je crois. Ou alors juste des vieilles Ermika au pif comme ça qui se passaient là. Mais oui, mais faut dire quand il y a des choses qui vont pas. Moi hier j'ai joué 15 heures d'affilée à Metroid Prime à la Wiimote. Je vous prie de croire que c'est désagréable. Mais on peut reparler de Metroid Prime si vous voulez. Mais attendez, j'étais pas sur Metroid Prime là, j'étais sur quoi? On parle de Metroid Prime après, j'étais sur quoi? J'étais sur... Oh, l'Amiibo, ça va être le fil rouge, évidemment. Où est le Stropole? Moi, je vote... Je suis un suceur de gros porc parce que moi, je respecte les gens. Moi, je suis un suceur de gros porc. Voilà. Et moi, cet Amiibo, qui est beau, hein, quand même. Regardez comme il est bien fait. Regardez-le. Ah, qu'est-ce qu'il est bien fait, hein. C'est un villageois, version 1, la V1 du villageois, c'est-à-dire tout ce que Karaté veut. Hein. C'est LE villageois de ses rêves. Et il est customisé aux couleurs du guac. C'est-à-dire que c'est le villageois EX. Il n'y a pas plus haut dans la tier list des désirs de Karaté. Tu vois, au-dessus, ce que désire plus Karaté que ça, c'est une photo avec Akira Toriyama cosplayé en Harley. Tu vois. C'est... Voilà, c'est juste ça, le niveau au-dessus. Mais là, l'Amiibo Villaguac, c'est... Il est bien en plus, hein. Il est vraiment très très bien. C'est dommage. Parce que j'ai vraiment l'impression que le Dweet l'emporte, hein, quand même. Hein. Aïe, 78% de Dweet. Moi, je sais pas le faire comme il fait le Dweet. Parce que je suis moins gras que lui, tu vois. Je me porte encore un peu bien. Et du coup, j'ai moins de voix puissantes qui viennent du bide. Do it! Voilà, ça fait la voix de Batman. Et je viens de me péter les cordes vocales pour 34 jours. Ouais, malheureusement, je pense que le do it... Après, il n'y a pas marqué
do it what? Il n'y a pas marqué what to do. Il y a marqué do it, mais il n'y a pas marqué what to do. En attendant, cet ami est neuf. Hein. Il est neuf, hein, regardez, hein, il est neuf. Hein, la boîte n'est même pas ouverte. Hein. Il n'y a rien d'ouvert. Il n'est pas ouvert, il n'y a pas de... Il est neuf. C'est un Amiibo neuf. Voilà, neuf sous blister. Neuf sous blister. Bah oui, ça manque de résonance, je sais. Bah oui, je sais, non mais je sais. Non mais je sais. Là, bon, j'ai pas une vieille voix de gonzesse comme karaté. Mais quand il crie, il fait peur. D'ailleurs, il peut crier comme une gonzesse ou crier avec la voix grave. Et ça, c'est terrible. En fait, c'est un homme prisonnier dans... C'est un enfant prisonnier dans un corps d'homme. Bah oui, je suis pas assez gros. Je suis pas assez gros. Mais moi, voyez, moi, j'ai pas envie de faire mal Slabio parce que je respecte le travail des autres, tu vois. C'est la différence entre un vrai fils de pute... Et un mec, voilà, qui se respecte un minimum. C'est ça la vérité. Donc pour l'instant, c'est mon otage. Hein. Il est là. Je l'ai en otage, on décidera de ce que je fais après. Ouais, le ban Tico. Donc Tico, oui, Tico est inadmissible. Arrêtez de tuer les shiny, les gens, ça se respecte. On tue pas un shiny, ça veut rien dire. Quand je pense que ça fait 2 semaines... que j'ai cherché ce putain de demi-mol dans la forêt de chiasse de Pokémon Rossa et que j'ai eu qu'un putain de Zigzaton Shiny de merde. Et quand je vois que Evic et Tico ont le Pokémon en 2 frames, ça me donne envie de tout baiser. Ça me donne envie de tout baiser. Ça me donne envie de tout baiser. J'ai envie de tout baiser. C'est normal que j'ai envie de tout baiser. Ah, Tico me provoque sur Twitter. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il a appris à écrire? Alors attention. Oui, il a mis le hashtag il est pas shiny. Oh là là, le pauvre. Petit hommage à demi-mol. Joli dessin de Warmikoun. Que Nenaz en 2003. MP3, Windwalker, God Dancer 2, F0, GX, Soul Kado, Beautiful Joe. MMZ2 BGE, qu'est-ce que c'est que ça? Double dash, putain, vraiment de la merde hein, c'est 2003. Bah oui, en plus Metroid Prime c'est même pas un jeu de 2003. C'est Metroid Prime 3 qui est de 2003. En plus il m'a dit de la vieille merde. Le mec avec son jeu de 2003 là. C'est même pas un jeu de 2003. Donc là, je vous mets une petite playlist hein, de ma composition juste derrière. Avec un mix entre Daytona USA et Space Jam. Voilà. Tout ça mixé par Quad City DJ versus Takenobu Mitsuyoshi. Metroid Prime, c'est 2003, novembre 2002. Il n'était pas 2003. Il est 2003 ou 2002? 2003. 18 mars 2003. Bon bah voilà alors. Très bonne année, très bon cru. Je pense que je parlais de Metroid Prime en deuxième partie. Faut qu'on en discute avec vous ici. Non mais je dis pas de la merde, c'est le mec qui m'a tweeté là. Il me dit que des nazes en 2003. Il me dit MP3 Donax sur Twitter, Donax MD. MP3 c'est Metroid Prime 3, non? Metroid Prime 3, c'est... Ou alors c'est peut-être pas Metroid Prime 3, hein, je sais pas. Je sais pas ce que ce sont les MP3, peut-être ce sont les lecteurs MP3 en 2003. Mais je me souviens, hein, déjà en 2000, j'avais déjà des lecteurs MP3 dans mon lycée. Je me souviens très bien, j'avais un ami qui avait un lecteur MP3 256 mégas. C'était ouf. Ouais. Sortie de la N-Gage, oh la vache, c'est violent. C'est Call of Duty 1, putain, ça fait 11 ans qu'on bouffe un Call of Duty tous les ans, non.
C'est Metal Pure Solide. La DSL, putain, mais grande année. 2003, année de l'évolution. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Grosse année 2003. Moi, en 2003, je jouais à... Qu'est-ce que j'étais en train de jouer en 2003 ? Je jouais à Mario Kart Double Dash en 2003. Et j'avais pas acheté les Metroid Prime. J'avais pas acheté les Metroid Prime pour la simple et bonne raison que je refusais de jouer à Metroid en 3D vue d'intérieur. Putain, MP3 512 mégas. Eh mec, vous allez trop loin. Et il est pas shiny. Moi, je joue à ça. Je joue à la Game Boy Advance aussi. Je sais plus quel jeu je jouais. Je sais plus à quoi je jouais exactement. En tout cas, je jouais pas sur PC, c'est sûr. Très difficile de toute façon de jouer sur support PC là où je me retrouvais. Et c'était Wind Waker aussi, ouais. Donc je joue à Wind Waker, Double Dash et Wind Waker. La grosse année en fait pour les jeux Nintendo 2003. Hein. F-Zero GX et je joue à F-Zero GX. Putain, l'année est violente. Double Dash, F-Zero GX et Wind Waker. Ah, c'est Mario Party 3. Bah oui, Mario Party 3 évidemment. Mario Party 3. Putain, c'est violent quand même l'année. Gros truc, hein. Grosse année. Impressionnant. Je relâche les scarabruto. Non, je les relâche. N'ai rien à foutre de ces scarabrutes de chiasse, j'en veux pas. Fous-moi la paix. Et Metroid Prime. Oui, mais Metroid Prime, moi j'y jouais pas. Je l'avais pas, Metroid Prime. Dis, j'ai refusé d'acheter Metroid Prime. Il est sorti quand Metroid Fusion d'ailleurs ? Quelle année Metroid Fusion ? Je jouais pas à Pokémon Or et Argent en 2003 ? Non. Si, peut-être d'ailleurs. Y'a pas un Pokémon qui est sorti en 2003 ? Oui, on a compris, fusion de Square. Putain, les mecs avec leur 2003 fusion de Square et Enix. On a compris la fusion de Square et Enix. C'est bon, on l'a, le chat, on l'a. C'est bon. Vous êtes. Si vous pouvez arrêter le copier-coller, on l'a. Impeccable. Ouais, 12 ans sans F-Zero sur console de salon. Ouais. 12 ans. Ça fait long, hein. 2004 les Pokéfions. Ruby Saphir 2003. Ah bah voilà, 2003 c'est Metroid Fusion. Bah voilà, moi je joue à Metroid Fusion. Pendant qu'il y avait les mecs qui étaient en train de scanner des objets et de chercher leurs pieds, moi je joue à Metroid Fusion. Et ça a déchiré. Bon, est-ce que j'ai déjà vu Karaté énervé? Oui, j'ai déjà vu Karaté énervé. Ouais, ouais. Enfin, énervé. Ça dépend ce que vous entendez par énervé, parce qu'on passe notre vie à s'engueuler, donc... Puis comme c'est probablement le pire joueur, enfin le plus gros mauvais joueur de l'histoire... Tiens, moi je suis réputé pour ma mauvaise foi, mais Karaté... Karaté, c'est le mauvais joueur EX, tu vois. C'est l'origine même du mauvais joueur. Il est mauvais perdant, Il a toujours une excuse pour tout, hein, c'est... Donc ouais, évidemment. L'engueulade est évidente. Ah, Karaté.
souviens plus. D'ailleurs, c'est tellement insignifiant ces engueulades à la con sur des sujets absolument... absolument futiles que j'arrive même pas à me souvenir des sujets d'engueulade. Mais vous avez eu une engueulade typique avec le match de Kirby, c'est typiquement ce qui arrive tout le temps. Mais c'est plus avec Frionel qui s'embrouillait tout le temps. T'as Frionel et le gros, c'est tellement... C'est tellement les meilleures phases. Je me nourrissais tellement du guac quand j'étais en coloc avec ces deux-là. C'est violent. Début de la guerre en Irak en 2003. Charmant. Bah, elle est en train de rejouer la guerre en Irak, là, Monsieur Sapin. En ce moment. Avec 688 attaques sub. Ah, c'était Tale of Symphonia aussi. Ah bah, je l'avais eu, Tale of Symphonia. Putain, mais j'ai acheté autant de jeux que ça en 2003. C'est pas possible. Ah, si, c'est peut-être possible, en fait. Non, c'est pas possible. Si, c'est peut-être possible. Parce qu'en 2003, j'étais en dernière année de prépa, il me semble. Fin 2003. Et en dernière année de prépa, je sais pas comment vous dire, mais on n'a pas trop le temps de jouer à des jeux vidéo. Et du coup, ça m'étonne que j'ai pu doser autant de GameU en fait. Putain, mais j'étais vraiment... À l'époque, j'étais vraiment dynamique. Hein. Je dose pas autant de jeux maintenant. C'est ouf, hein. Bah oui, c'est très bien 688 attaque sub. Bien sûr que c'est très bien, tu te mets une petite musique derrière. Mais mon gars, le jeu il passe crème. En plus c'est cool parce que même si tu perds une mission, tu peux la recommencer. Toi c'est pas, t'es obligé de tout refaire tout le temps. C'est cool. En 2003 j'avais 11 ans. Ouais c'est ça, c'est les darons qui viennent m'apprendre Metroid Prime alors que j'avais 11 ans. Les mecs c'était des gamins. Mais peut-être qu'à 11 ans ils étaient plus doués que moi aujourd'hui, hein, remarque. C'est possible. Non mais c'est le match-up. Hein. On parlera du match-up, hein, de mes match-up de jeux vidéo. Hein. Vous parlerez de vos match-up. Hein. Vous avez peut-être des genres de jeux que vous détestez. Maintenant je joue 1000 heures à Pokémon. Oh non mais ça c'était déjà avant. Hein. Parce que c'est des jeux faciles à consommer. Donc je peux mobiliser les heures dessus. Crap. Vous écoutez actuellement l'OST de Burning Rangers. Une découverte. Je vous conseille vivement d'aller télécharger tout de suite et de l'écouter avec un casque pour votre plus grand plaisir auditif. Punaise, mais il y a tant de mecs jeunes sur ce chat. Oh, il y a des mecs qui sont nés en 99, vous êtes pas sérieux. Eh les gens, vous êtes pas sérieux. En 2003 quel âge en 2003? En 2003 j'avais 18 ans. Bah ouais, j'avais 18 ans. C'est ça. Moi j'avais 18 ans, c'est la majorité, c'est la fête. Bah non, j'étais en première année du coup de prépa. Ah non, en 2003. Ah oui, en 2003. J'ai eu mon bac en 2002. Non, c'était la première année de prépa. J'ai eu le temps de doser tout ça en première année de prépa. C'est ouf. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans la rame de métro ce matin. Des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et vous allez me demander si je suis bizarre en fait. Je crois que c'est... J'ai vécu un syndrome Metroid Prime violent. Dans la rame de métro ce matin, quand je me suis assis pour aller au travail, la moindre personne qui passait, je la scannais. Je la scannais de haut en bas. Je regardais tous les petits détails. Marié, pas marié, tatouage, pas tatouage. Ça veut dire quoi le tatouage? Coupe de cheveux,
Signe extérieur de richesse, signe extérieur de pauvreté, signe intérieur de richesse, couleur des yeux, je scannais tout le monde. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou. J'étais là, le moins de personnes qui rentraient, c'est là, télécharger toutes les données. Et je vous jure, s'en est arrivé à un point, il y avait un Renoir, un grand Renoir, ultra baraqué, à l'autre bout du truc de métro, et j'ai réussi à lire sur son bras son tatouage qui était, je m'en souviens encore, MCM. MCM XXX. Non, c'est pas ça. C'était quoi son tatouage, bordel de fion? C'est un truc de malade. MCM XXX. Non, c'est pas XXX. Putain, j'arrive plus à m'en souvenir. C'est un truc de fou. Non, vous allez voir, tout ça a du sens. Le MCM et le XXX a du sens. Ça n'était pas un acteur porno. Non, je vais vous dire. Non, voilà, je vous dis MCM XXX. Tu dis c'est un acteur porno. Mais non. C'était pas du dit grand black MCM XXX, tout de suite vous faites l'amalgame acteur porno. Mais non, pas du tout acteur porno. Putain, laissez-moi revenir, je vais y arriver. Faut juste que je me souvienne. Bon, ça c'est ma... Mon légendaire... Mémoire. C'est cool. Voilà, je vous le mets, ça y est, je me souviens. C'est M C M L X X X I V. Voilà, c'est ça. M C M L X X X I V. En gros, ça donne ça sur le chat. Voilà, le mec s'était fait tatouer ça sur le chat, sur le bras, à l'autre bout de l'écran. Et oui, et vous avez trouvé donc sur le chat, ça n'est pas du tout dire que c'est un acteur porno, ça veut dire que c'était fait graver sa date de naissance, qui était en fait 1984. Et j'ai pu donc connaître l'âge de cette personne, ici. Le mec avait 31 ans. Le mec qui était au bout du truc avait 31 ans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'aurais pu continuer à chasser demi-mol dans mon métro? Non, j'ai levé ma tête, j'ai vu un mec au loin, j'ai vu son tatouage, j'ai scanné, j'ai vu les lettres et je me dis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire 1984, ça veut dire qu'il est probablement né en 84, ça veut dire qu'il a 31 ans. Voilà, et tous les mecs et toutes les meufs de la rame de métro, j'ai scanné comme ça. Ainsi, j'ai repéré 3 sacs Louis Vuitton, une sacoche Gucci, qui était d'ailleurs possédée par le même mec avec le tatouage, une paire de boobs bonnet E. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Un clochard anorexique qui devait avoir entre 65 et 70 ans. Et... Ah oui, et... Le mec le plus handsome que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je crois que j'ai croisé, alors je sais, vous allez me dire si je suis bizarre ou pas et si vous faites ça vous aussi chez vous, si ça peut vous arriver. Mais je sais pas comment expliquer ça sans que ça fasse bizarre. Je sais pas comment expliquer comme ça fait bizarre, mais le mec était, c'est, en fait c'était, le mec était juste trop beau. Je peux pas dire ça autrement. Je crois que c'est un des plus beaux mecs que j'ai jamais croisé de toute ma vie dans une rame de métro. Pour vous donner un peu l'affichage du mec. Il ressemblait à un top modèle, mais en version baraquée. Ça voulait rien dire.
1m85. Je pense facilement 90 kg uniquement en muscles, avec un pantalon tailleur, un polo. Il avait le teint extrêmement mat et bronzé, c'est un blanc. Les yeux bleus, d'un bleu pur, avec une coupe de cheveux pâle, les vieilles coupes de cheveux de Kekos, de Comte, c'est rasé là, avec la vieille touffe ici, comme les vieux kékés, désolé hein, si vous êtes là, qui était là, et pas gominé, pas gelé, juste des beaux cheveux, des beaux yeux, une belle peau. Il devait avoir la trentaine, le mec, c'est sûr, étant donné qu'il avait quand même l'air d'être un peu mature. Et toutes les meufs, mais toutes les meufs de la rame de métro étaient yeux braqués sur lui, du début à la fin. Et même moi, qui ne suis pas gay, je peux vous l'assurer, j'escalais ce mec. C'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Monsieur, j'ai une grande nouvelle. J'ai relancé le cloud du Saint-Thomas Battle, commandé par vous. Les phases finales de Mortal Kombat 10 et UMDC 3. Voilà. Je ne suis pas fan de Jojo. C'est pareil, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a plus de patates de courant. Voilà. Parfait. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous aussi vous faites ça? Parce que assez souvent, vous savez, les mecs, on est souvent réputés pour être des gros porcs. Donc ouais, c'est vrai, on a tendance à reluquer les meufs. Ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai, entre mecs, on se comporte souvent des vieux salauds. Et finalement, reluquer une meuf dans le métro et dire qu'elle est trop belle, ça c'est classique. Mais est-ce que vous faites déjà ça? Avec, je parle au mec là du chat, est-ce que vous faites déjà ça avec des... Si ça vous est arrivé déjà de croiser un mec, par exemple, je prends un exemple très simple, et là vous allez voir, c'est imbloquable. Est-ce que imaginez, vous êtes dans cette situation là, vous êtes dans le métro, et là, à une rame de métro, il y a Trunks qui rentre. Vous allez pas me dire que même en tant que mec et hétéro convaincu, vous n'allez pas jeter un petit coup d'œil sur ce petit boule parfait et dire, ah, quand même, Trunks, c'est bien. Hein. Ça ne vous arrive pas. Parce qu'autant, moi, je sais que Mizu, quand elle croise une belle meuf dans la rue, elle dit, putain, la meuf, elle est trop bonne. Mais bon, c'est Mizu aussi. Qu'est-ce qu'il raconte encore, merde? Non mais sans déconner, tu croises Trunks dans la rue, c'est officiel. Tu dis putain, je le baise, si j'étais une meuf, je le baise, on est d'accord. Et bien voilà, bah imaginez Trunks, mais en version awesome x 1000, c'est-à-dire avec des vrais muscles et une carrure de Rubin Man. Et bah c'est le mec que j'ai croisé. Bah voilà, bah vous êtes d'accord avec moi, on est d'accord donc. On a le droit de reconnaître que les mecs sont beaux, non? Même si on est un mec, non? On n'a pas le droit de faire ça. C'est officiellement qu'on a un problème. Mais non, moi je crois pas. Je crois pas. Ah, GL Trunks, il est dans le top 3 de tous les classements des plus beaux mecs de Gaming Live. Il n'y a pas un top 3 où il n'apparaît pas. Bah voilà, les mecs confirment. Et les meufs sur le chat, est-ce que les meufs sur le chat peuvent me dire et avouer que elles aussi, je sais que vous êtes très jalouses entre elles, mais est-ce que ça vous arrive des fois de vous retourner dans la vie, dans la rue et vous dire, putain, j'aimerais trop avoir le cul que cette meuf est là? Ça vous est jamais arrivé? Ouais. Non, le top 1, ça se bat entre Cardell et Trunks hein, tout le temps. Je vous spoil.
Mais oui, il y a des meufs ici. C'est rempli de meufs dans les pachines. On a fait un stropole, il y a au moins 12% de femmes qui regardent il est pas shiny, ce qui est un énorme pourcentage. Bah tu vois où Miko elle acquiesce. Mais est-ce que ça t'arrive de pas jalouser, de dire juste cette meuf elle est trop belle, elle a trop de chance, sans jalouser, juste tu avoues. Aker il va être dans le top 3 aussi. Je suis désolé Aker. Malheureusement, il va falloir t'y faire, hein. Sur Cult & Click, t'es avec Bibi, petit trentenaire grisonnant avec un sourire d'ange, et Cardel, jeune hipster au petit cul parfait. Malheureusement, Kerr, tu es très bien, Kerr, hein, tu es très bien, mais tu souffres évidemment d'une comparaison terrible. Terrible. Voilà, Umiko, ça lui arrive. Alors, je connais pas les pseudos des viewers ici sur ce chat, mais... hashtag, il est pas shiny, au pire, hein. Hashtag, il est pas shiny, hein. Au pire, vous avez l'hashtag, il est pas shiny. Non, mais ouais, Trunks, j'avoue. Trunks c'est bien, c'est très très bien. Non mais c'était pas un bodybuildé, tu vois, le mec du métro. C'est pas un mec bodybuildé. Tu sais, il était pas bodybuildé le mec, c'était juste qu'il avait... Tu sais, il avait une bonne carrure, enfin voilà. Si j'étais une meuf, c'est mon mec direct, mais bon, j'ai bien vu parce que je l'ai scadé en entier, il avait une bague, il était marié. C'était mort, j'aurais rien pu tenter. Je serais bien d'aller le voir pour lui demander comment il fait pour avoir une peau aussi parfaite. Tellement parfaite qu'on a l'impression qu'il était maquillé, qu'il sortait d'un magazine, quoi. Je suis sûr qu'avec la description que je vous en fais, vous le croisez ce mec dans le métro, vous le reconnaissez tout de suite. Il est descendu à Répu et je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai plus jamais revu d'ailleurs ma voisine de métro qui avait un sac Louis Vuitton avec des... carreaux positionnés en losange blanc et marron, là où Louis Vuitton a souvent tendance à faire dans le marron et marron foncé. Sac Louis Vuitton qui sont, je trouve, toujours pareils. Mais bon, c'est la marque préférée de Louise. C'est aussi la marque préférée des putes chinoises de Strasbourg-Saint-Denis. Mais... Bah oui, pression des top 3 des Ghostboats Gaming Live, évidemment. Non mais là, vous m'avez lancé, c'est chaud. Mais voilà, mais j'estime que c'est aussi normal pour un mec d'affirmer sa part de féminité et de dire, voilà, ce mec-là, il met 100-0. Louise Vuitton. Louise Vuitton, ça marche. Ça marche aussi, Louise Vuitton. C'est terrible. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je dois consulter? Mesdames, messieurs, hashtag il est pas shiny, hein. Maintenant qui veut me donner ses secrets cosmétiques. Bon, il faut que j'en remette, hein. Tome 3 des filles de GL, Mizu en 1. C'est la plus craquée de toutes. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de filles à GL, donc... je dirais en 2, Louise. Et en 3, bah, qui joue qui? Après, je crois que j'ai donné les 3 filles de GL, en fait, c'est ça le... Bah non, pas du tout. Pas du tout donné 3 filles de GL. Ah non, pas du tout donné 3 filles de GL. Parce que, ouais, t'as Lélé, t'as Dars Colette. Non, il y en a d'autres des filles, hein, sur GL, hein. T'as Madame Sapin, elle peut compter, Madame Sapin, plus ou moins. Elle peut compter, hein. T'as Luciole, hein, c'est ma lapine. Je pense qu'elle peut compter, hein. Y'a Carole, ouais, c'est vrai, y'a Carole. Ah, c'est dur de tenir un top 3. Y'a Dame. Ouais, Dame est... Mais Dame, moi j'arrête pas de dire il parce que je le connais depuis trop longtemps. Il est hors concours. C'est vrai que Dame, c'est haut quand même.
Je me demande, hein. Bon, vous avez un top 3? Est-ce que vous avez un top 3 des filles de gel? Sachant que... Donc, vous pouvez prendre... Louise, Lele, Mizu... Il y a Dars Colette... Kijuki, Carole, Sinaël, Dame Dame, qu'est-ce qu'il y a encore? On peut mettre Natachouille, on peut mettre Natachouille, hein, qui est streameuse intérimaire sur la chaîne Pokémon, ça marche. Je crois qu'il y a une streameuse sur la chaîne Dota aussi. Louise, Carole, Scolette. Carole, Leila et Louise. Mais là, on va encore m'accuser de macho. C'est comme ça, je fais le classement ici. je fais le classement ici. Carole, Mizu, Louise, top 3. Mizu, Louise, Leila. On a peut-être tendance à dire Mizu, Louise, Leila aussi. Il y a Aleska, oui c'est ça, il y a Aleska. Aleska compte aussi. Hein. Leila, Mizu, Louise, ça revient beaucoup hein, quand même. Lele Mizu Louise, c'est un top. Hein. Finalement. Carole Mizu Louise. Ah, les goûts de chacun, ça change. Hein. C'est ouf. Est-ce que MVAQ de perruque, ça compte? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Je sais pas. Laissez-moi faire des scarabrutes. Pourquoi on en est arrivé à parler de ça d'ailleurs? Je sais pas, oui, juste bah, les beaux mecs du métro, voilà. Mizu, Colette, Louise. Il y a Card 7. C'est vrai, qui a streamé aussi chez nous. Louise. Louise, elle fait un top 3. Mais non, mais arrêtez, ça vaut pas le coup. Mais ça, c'est de la triche parce que ce chat est en majorité composé d'hommes. Alors justement. On va faire le contraire plutôt. On va faire le contraire. Faites, vous les mecs et les meufs, un top des mecs de Gaming Live. Voilà. Qui est-ce que vous mettez au niveau de... Au niveau de... Comment ça s'appelle? De Lutskushi. Ça se dit pas trop pour un mec. De Lansomeness. Faites le classement des mecs. MV Trunks Verdier. Trunks BB Verdier. Ouais, Trunks, ça, ouais, Trunks, c'est... Trunks Cardel MV. Hein. MV, il est haut hein, quand même. Hein. C'est la barbe, hein, ça lui donne beaucoup de sex appeal, visiblement. Donc, ce que je constate sur le chat, c'est que beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ici sur le chat aimeraient culbuter MV. C'est une information. D'accord. Une grosse information. Très très grosse information. Trunks Armand MV. Newtiteuf. Bah si, Newtiteuf il compte. Ah si, Newtiteuf il compte. Il est plutôt un beau mec, Newtiteuf aussi, non? Ah, je sais pas, hein, moi. J'aurais tendance à mettre Trunks en 1. Quand même, Trunks en 1. Cardel en 2. Ouais. Et. Je peux pas mettre MV, c'est pas possible. MV, il est tout mignon, on dirait un nounours, mais. Là, on parle de mec handsome. Un thème de Gessipal, hein. Et j'avoue que... peut-être Newtiteuf, hein. Parce qu'il y en a qui s'en sortiraient mieux que Newtiteuf. Des mecs plus beaux gosses que Newtiteuf. Un qui travaille beaucoup sa bogosité, c'est Pentaro, hein. Pentaro, il peut être joué, hein. Ah, je sais pas, hein. C'est pas facile, hein.
Agno, il est pas encore assez mature. Il lui manque un peu de maturité, tu vois. Il lui manque cette petite... cette petite carrure. Il lui manque ce petit truc, tu vois. Qui fait que c'est encore un petit minet. Ah, il y a Big B. Oh, Big B, non. C'est le patron. Je peux pas mettre mon patron dans un top 3. Et Pierre. Alex Click. Ah, Plax, ouais. Non, Plax. Plax. Ça se battrait entre Plax, Mutituff. Il y a Baston, moi, je dis. Hein. Il y a quand même Baston. Ça mériterait d'afficher le chat. Tellement c'est dégueulasse possible. Je crois que j'aurais plus à la foutre de toute façon. Au point où on en est dans cette émission de chiasse. Je crois qu'on en est plus. On en est plus à ça près. Allez, bra. Voilà. Chat, ça va. Il est ici, de toute façon. Pour les hordes que je fais, qu'est-ce qu'on en a à branler? Pour les, je veux dire, les œufs que je fais éclore, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un petit coup de color key. Voilà. Le chat est intégré. Faites-vous plaisir. Terracide, hein. Karaté, hein, pas dans les trucs. Moi, j'ai remarqué beaucoup trop de MV. Hein. MV, c'est quand même... c'est quand même le sex appeal. Hein, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est son charisme, MV, qui fait le tout, quoi. C'est beau. NTI et Pierre Sifano. Ah c'est vrai, il y a Sifano. Ouais, Sifano. Sifano, il fait trop petit minet. Et Atomium. Atomium, c'est là aussi. Voilà, tout ça pour dire que j'ai croisé un beau mec dans le métro. Voilà. Je suis désolé. C'est ça la vérité. Metal Chewbacca, c'est... La chaîne Pokémon, hein. NT Trunks et Galuzi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon bref, ça clôt le sujet. Voilà, le fait est que je sais pas si c'était Metroid Prime ou quoi, mais en attendant, j'arrêtais pas de scanner les gens dans le métro. Et ça fait déjà une heure qu'on discute. Du coup, je vous rappelle que vous pouvez voter pour savoir si on doit do it ou si vous sucez karaté. Disons, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sucent karaté, hein, ça se comprend hein, quelque part. Ça doit être difficile à... Ah voilà. Je vais pas finir cette phrase parce que ça va devenir absolument dégueulasse s'il n'est pas chani à un moment. Il faut vraiment se respecter. On va faire une pause, je crois, peut-être. Oui, non, hein. Est-ce qu'il y a moyen de faire une pause de façon convenable ici? Non, il n'y a pas moyen de faire une pause de façon convenable. Alors attendez. Je trouve un moyen de faire une pause de façon convenable et c'est promis, j'arrive. Parce que ouais, il faut passer Mafia, alors attendez. Je suis sûr que j'ai Mafia quelque part. Ma souris a disparu. Ma souris a disparu, en secours. On va passer un peu de Mafia, ça va vous faire du bien. En rewind. Voilà, parfait. Ah, nickel. Impeccable. Je suis totalement setup pour refaire une heure de Scarabrut. Donc on vous rappelle hein, le terrible Stropole hein, qui n'aura peut-être pas autant mûri, mais gros do it. Hein. Gros do it. On ne sait pas ce qu'on va do it, mais je pense qu'on va devoir do iter à un moment ou un autre. Et ça, c'est terrible. Je vous rappelle, hein, pour tous ceux qui viennent d'arriver, il est là. Il est là. L'amigo Villaguac, le villageois aux couleurs du guac. On les voit bien, hein, t'as vu, il passe dans le chroma key en plus. Hein. Ah, il est beau. Quel dommage que Monsieur Karaté ne puisse pas en profiter. La balle est dans le camp de Monsieur Karaté. Moi, j'en prendrai soin, Charretman, pour m'aider à faire pression sur le gros porc, a choisi, eh bien, de m'aider.
en m'envoyant cet amiibo. Ce que nous allons en faire, eh bien ce sera décidé plus tard. Petit coup de pub, Blue Blue Sky, et on se retrouve juste après pour la suite. J'ai pas chaîne. Peggy 18.